Chic aimerait vous parler quand vous aurez un instant. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandée, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Je vois que vous avez pris le temps de vous entraîner. Wingardium Leviosa. Préparons. Revelio. Revelio. Qu'aimerez-vous parler quand vous aurez un instant? Thank you.
De toute évidence, Poudlard serait perdu sans vous. Bon travail. Si nous passions à la suite. Chic, aimeriez-vous parler quand vous aurez... J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur ? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Revelio. Je vois que vous avez pris le temps de vous entraîner. J'ai quelques questions sur l'altération, professeur. Oui. Comment utiliser le sortilège d'altération ? Visez avec votre baguette l'objet invoqué que vous souhaitez personnaliser et lancez le sortilège d'altération comme je vous l'ai montré. Vous pouvez modifier l'apparence d'un objet de différentes façons et le déplacer dans la pièce. Merci, professeur. Je n'ai pas d'autres questions. Je serai là si vous avez besoin de moi. Aimeriez-vous parler quand vous aurez un instant? De toute évidence, Poudlard serait perdu sans vous. Beau travail. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose. Chic, aimeriez-vous parler quand vous aurez un instant? Thank you.
Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas ? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chick quand... Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos, Chick a eu une idée. Il... La salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Chick ne prétend pas être expert en la matière, mais certaines plantes semblent prêtes. Peut-être qu'il viendra s'asseoir à côté. Je ne sais pas comment tu as fait pour sauver Poudlard, mais je t'en suis vraiment reconnaissant. Attention où tu vas.
Revelio. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Je devrais y entrer. Revelio. Incendio. C'est horrible. Tobbs ? Tobbs ? Chick, m'envoie. Tu es là ? Oh. Protego ! Incendio, bombarda. Les vieux sont. Go! Incendio! Protego! Legioso! Bombarda! Revelio! Incendio! Incendio! Confringo! Protego! Bombarda! Je dirais que Tobbs est passé par là et que tu es déjà. Il a dû se passer plus profondément. Confringo, protego! Incendio! Bombarda, confringo! Incendio! Incendio! Confringo!
scène de rôle. Revelio. Incendio. Revelio. Bombarda.
Ce bruit n'augure rien de bon. Bombarda. Incendio. Revelio. Protego!
Revelio. Incendio. Bombarda, incendio. Revelio. Cet elfe de maison est Tobbs. Pauvre Tobbs. Abandonné seul avec les araignées. Revelio. Revelio. Mm.
Lumos. Réparo. Lumos. Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Chic, je suis de retour de la grotte. Fantastique. Oh, Chic espère que vous avez salué Tobbs. Je suis désolé de t'annoncer ça, Chic, mais Tobbs est mort.
Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non, c'est ce que craignait Chick, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Chick et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui, nous avons été séparés à sa mort. Chick aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Chick. Chick lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, oh, oh. Je suis navré pour ton ami, Chick. Merci, vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. C'est parfait. Cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage.